Hello YouTube, hello Twitch, comment ça va aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi j'ai passé un bon week-end, c'était nickel. Donc j'ai pas fait de vidéo depuis 3-4 jours parce que j'étais occupé. Donc je reviens vers vous avec ces petites vidéos. Je vais continuer ma petite aventure que j'ai commencé en mode maître Jedi. Donc je suis passé de Coruscant et c'est la suite là. Allez, let's go, on y go. Donc on a fait tout Coruscant en une fois, en une partie. Et là. On va aller. Ça, on va aller sur Kobo. Jusqu'ici, tout va bien? C'est la suite de l'aventure. C'est quoi ça? On va se focus sur l'aventure là, sur cette partie du jeu là. On va se poser. Les systèmes tombent tous en panne. T'as quelque chose? Redémarrage des moteurs. Bien joué, BD. On n'atteindra jamais le hangar. Il faut qu'on se pose. Accroche-toi, BD. Alors, Kobo. Complètement grillé. Sans réparation, on redécollera jamais. Il faudrait que je... Alors, on est là. Et ça, ça doit être l'avant-poste. Voilà, faut qu'on aille à l'avant-poste. J'imagine qu'on va enfin découvrir la cantina de Grise. La cantina. Ok. Bon, je allez, viens. Je ne la connaissais pas. Je voulais savoir. Donc, allez, on descend. On sort du Mantis. On va se diriger. Il y a là-bas. Il y a ici. Donc ça, c'est la cantina. Bon, on aura plein de trucs à faire avant, ça c'est sûr. Donc déjà à la base, hop là. C'est tellement calme. Bravo, aurait bien aimé ça. Allez BD, on a encore du chemin. Ouais. On va faire vite, hein. On va pas s'attarder trop longtemps, ça sert à rien. D'accord. Donc, Grise est de l'autre côté de tout ça. Tu veux bien que je jette un œil? Trouver Grise. Donc, Grise, ce sont aussi où il est, dans la cantina, donc. Allez, derrière tout ça, au fond là-bas. Donc, c'est le petit monstre, ça. Pareil, ça change pas, hein. L'objectif est toujours le même. Donc on va essayer de tracer, de faire le plus vite possible, pas se prendre la tête, hein, ça sert à rien. Un Lucaralk? Qu'est-ce qu'un vieux vaisseau de combat séparatiste fait ici? Alors, là on va descendre. Je sais pas si j'ai pas tous mes trucs, tous mes Le sauts, dernier Lucaralk que j'ai vu, c'était sur Braca. Ça fait longtemps, prof. Qu'est-ce que tu dirais maintenant ici. Allez, le Mantis ne va pas se réparer tout seul. J'espère que Grise aura les bonnes pièces. Ouais, pas trop de différence. Moi, pas moi, j'ai pas trop senti trop de différence. On verra avec les gros boss, il y a une différence par rapport au premier. À la première fois. Hein. Et là, on a tout, je crois, hein, il me semble. On a pas tout ce qu'on a débloqué avant, on l'a gardé, donc.
Toute une suite, donc on est un peu plus fort quand même. Donc c'est bon. Donc allez. Ils nous ont pas mis un truc. Ils ont pas enlevé, bah, fait chier. On va tout recommencer de caguer. Allez hop hop hop. Donc, allez. Ce sont les ors. Un as, un cru. Je vais vous montrer pourquoi j'ai été promu. En avant et à l'attaque. Des droïdes de combat. Donc, on a récupéré des trucs récupérés, je crois, ici. Il n'y a qu'à récupérer, mais il y en a. Oui. Là, il y a ce qu'à récupérer en principe. Et comme on l'a déjà fait, on ne va pas l'avoir. On ne va pas les attendre, ça sert à rien. Directement les tuer. Lui aussi, parce qu'on a choisi. Surprise! Hey! Essaie encore! Hop là. Il ne ressemblait pas aux séparatistes dont je me souviens. Les pillards du chaos. Dans quoi Gris s'est encore fourré? On a peut-être en avance, c'est plus rapide possible. Alors, je sais même pas si je vais tout le tuer. On veut tous se tuer, ça sert à rien. Perte de temps. Ouais. Hop, 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 hop. Regardez un peu ce paysage. C'est un cratère géant. Alors après, j'avais oublié à quel point ils sont bavards. Donc là on peut le débloquer, le raccourci. Comme ça c'est plus rapide. Bon boulot. Là, on va gagner du temps. Comme ça. C'est par là, c'est pas la fin du budget de toute façon. On recommence tout le jeu, tout refaire. On essaie d'être rapide après, donc ça va. Bonjour, nouveau droïde tué. Ou mutilé. Ou perdu. Pas de menace de détruire l'élimination. Oh, un danseur. Mort. Ici, Morbison. Pourquoi il a fallu que tu viennes? Cours ça! Ils sont deux comme ça, c'est un peu chiant pour les tirs. Poursuivez-le! Gagné! Oui, on a compris. Aide-moi, Bédé! Mais ah, derrière. Tu m'en rends pas là-haut. Non, parce que ça va pas trop. Allez, dégage. C'est beaucoup mieux. Je crois que je vais en conclure que c'est merde, c'est pour ça que je veux pas vous enlever ces trucs. Hein. Je me fais chier à me combattre et tout, ça sert à rien parce qu'il y en a du tout ceux-là. Si vous pouvez les éviter, ça sert à rien. Franchement, faites gaffe parce que plus j'en fais dedans. S'enfonce. Il faut bouger. J'ai un mauvais pressentiment. Ok. Donc ça explose. C'est bon à savoir. Là. Débloque là ça. Si. Ici on peut rien faire. Ça sert à rien pour l'instant. On peut pas le faire. Ah peut-être que si, peut-être que je peux le faire. Un vaisseau coincé? Oui, je connais ça. Je pense pas que je puisse le faire. J'aurais bien aimé t'aider.
Non, je peux pas le faire pour l'instant. On n'est pas, pas assez fort. Donc c'est bien pareil. Donc ici. C'est fini. On descend par là. On va se rapprocher de la bestiole, mais pour l'instant, on ne peut pas tout faire non plus ici. Donc on y go. J'engage le combat. À se prendre la tête hein. Au début c'est un simple soldat et maintenant déjà pas qu'on le fait c'est autre chose. Quand est-ce qu'ils vont enfin comprendre? Je vais pas me prendre la tête, je sais pas, je vais tout essayer, je vais faire comme possible. Ou si vous voulez tuer, vous pouvez les tuer, mais pour moi ça m'intéresse pas. Je vais vous montrer juste. Mon temps est compté. T'arrêteras pas les pillards si facilement. Je continue l'attaque. Je tire. Mon attaque activée. Activation arme longue. J'ai subi des dégâts. Allez, fais pas ton faux ça. Je sais pas si vous voulez, c'est pas rapide. Hein. Lui, bon, on s'en fiche, oui, quoi, on s'en fout. Après, quand on va faire un reset, hein, on va sauvegarder, hein, on va tout perdre. En bas, il y a un petit truc à faire, mais si vous voulez, moi je sais pas si je vais le. Je vais passer vite fait. En cas de coup dur, un faire un petit peu. Je suis prêt. En fait, vous accédez, on vient ici, on se laisse tomber ici. Et on descend là. Donc après. Il va falloir faire mieux que ça! Quai du bonheur! Oh, est-ce que je me prends la tête? Je sais pas. Parce qu'il y a un truc à récupérer, mais comme j'ai déjà fait, ça sert à rien. Donc, après, pour sortir de là, il faut récupérer les choses qui sont au fond. Là, vous pouvez tuer ça si vous voulez. Là aussi, vous pouvez tuer les bestioles. Vous avez des trucs à récupérer ici, là-bas vous pouvez tuer aussi. Prenez la liane, vous allez au bout, il y a un truc à récupérer. Après pour sortir de là, ici. Je bouge un peu parce que je suis pas rapide. Hop là. Après il y a un truc à faire de côté aussi. Ici il y a un truc à récupérer il me semble. La cible est agressive. Tirez dessus. Ah, il me semble que oui. Bon, bah, allez, voilà. Il plaisante pas. Donc là, elle était passée. Après c'est pareil, il y a des trucs à récupérer, c'est un cul-de-sac aussi après, hein. Pour moi ça sert plus à rien parce que vous voyez, l'objet est là, et vous pouvez le récupérer. Donc après, on revient en arrière, c'est un cul-de-sac. J'essaie de faire des petites séquences, on va se prendre. Ouais, ça sert à rien pour l'instant. Il faut juste qu'on trouve le bon chemin. Grise va être étonné. Donc après de là, voir, hein. C'est sûr un mec qui va apparaître, hein. La pistole aussi là. Donc là ici, c'est bloqué en principe. Hein. Si c'est bloqué, là pour être établi pour faire votre truc, le petit truc. Là il y a un mec à parler. Oh, j'espère qu'ils vont bien. Qui êtes-vous? Tout va bien. On ne vous veut pas de mal. Que s'est-il passé? Les pillards nous ont tendu une embuscade. J'ai fui. Je sais pas où sont passés les autres. Qu'est-ce que vous faisiez ici? Je prospecte. J'essaie de gagner ma vie, mais toutes les machines coincent à cause du goudron. Et puis, il y a les pillards et les insectes. C'est trop dangereux pour vous ici. Vous devriez partir. J'irai. Une fois que le chemin sera sûr. Je leur ai dit que c'était une mauvaise idée. Donc là, en principe, c'est mort. Pas de plateforme ici. Ça marche pas. Vu qu'elle est en haut.
Donc il y a un autre chemin à faire, donc pour l'instant c'est mort, je crois. Rétabli. Donc après on pourra descendre par ici, je crois. Il y a un truc à récupérer aussi. Et là on peut passer aussi là ici. Hop là. Pour essayer d'ouvrir. Et là il faudra un truc spécial. Il faut l'espèce de boule là qui roule. Pour pouvoir casser la paroi. Les boules on va aller les trouver là-bas, dans le hangar. Je peux pas appeler l'ascenseur d'ici. Toujours pareil, donc ça part par là. Et ce n'est pas par là. Donc on va devoir passer ici. Hop là, par ici. Ici. La boule, elle est où, la boule. Ici au début. Tombez bien là, ici. Hop. Ici. Et montez ici. Je vous en prie, laissez-moi partir. On ne prospectera plus dans les gorges. T'entends ça? Passe pas ici. Si elle sort, un autre à terre. Deux vis vous dans le cerveau. 5 sur 5. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ici, il faudrait ouvrir le truc en dessous. Pour l'instant, on peut pas. On n'a pas les bestioles, donc il faut rentrer là-dedans. On peut déverrouiller. Je vais te l'égorger. C'est bon, je vais bien. Oui, c'est cela, c'est tout ce qu'il faudra récupérer. Ici, pareil. Donc là je peux pas le faire pour l'instant. Donc on va partir en arrière. Et on va passer par ici. Ah oui, il y a un truc à tuer là, c'est un peu chiant. Mais... Détruis-le, droïde. Pas de quartier. Pour moi c'est un peu facile parce que je suis bien fort. Un droïde commando. Vous n'avez pas manqué cela. Donc après, on arrive ici dans une petite salle et on va récupérer une petite boule pour débloquer le passage de l'autre côté. Donc attention ici, je crois qu'il y a des... Il y a un mec juste derrière ça. Voilà, mais je me suis pris quand même. Il y a un truc à récupérer. Eh oui, c'est ici. Eh, hey, qu'est-ce que t'as trouvé? Tu veux qu'on appuie dessus, hein? On peut faire avant. On a la boule et la balancer sur ça. Voilà. Ces trucs sont vraiment efficaces. Ok, il faut qu'on trouve un moyen de sortir de ce goudron. Et là, je peux l'emmener là-bas, la boule. Donc vous la prenez avec vous. Et vous l'emmenez ici, déjà. Faire exploser ça. Ah purée, non pas trop, je suis un peu loupé là. Et c'est par là ou par le haut je pense. On va essayer de faire par le haut plutôt. Là, le prospecteur, probablement c'est par ici, je pense que c'est plus facile. Ah, puis passer haut, fait chier. Alors.
aussi. Bon, je vois rien bien sûr, tout ce qui a été fait. Hein. Je m'en fous. Ne m'intéresse pas, parce que j'ai tout fait déjà. Donc là, on est tout à récupérer ici. On va prendre la liane, on va aller plus vite. J'ai une idée, on va pas tout ça. J'ai déjà tué, donc c'est bon. Vous pouvez vous amuser si vous voulez. Hein. J'ai pas intérêt, donc voilà. Ensuite, c'est pour débloquer la... Bon, on s'en fiche. Voilà, ici, il y a qu'à récupérer et débloquer la truc. L'ascenseur. Ça sera pour plus tard. Mais là aussi, il y a truc à récupérer. Donc c'est bon. Sinon, vous avez tout fait. Vous pouvez quitter cet endroit. Ensuite, partir sur l'autre. Là, on débloque. Ça c'est pour dépiler les raccourcis donc n'hésitez pas, il faut le faire de toute façon. Alors après, il faut aller ici. Ah oui c'est ça, faut prendre un truc aussi là, pareil, là j'ai oublié. Salut ça. Faut débloquer cette petite ascension là. Ouais, en bas je crois il me semble. On va récupérer par ici, donc on peut récupérer. Après. Là, il faut récupérer une boule encore. Ah, ok, j'ai pas mon truc, j'ai pas tous les trucs. Allez, on va envoyer m'emmener la boule ici. Monter l'eau, enfin, la merde qu'il y a ici. C'est vraiment pas agréable. Bref, ne pas trop tarder dessus parce que sinon vous allez vous faire avaler par la bouffe. Donc ici, je sais pas s'il faut que je le fasse ou pas parce que j'ai tout qu'à récupérer, mais. Je sais plus si c'est important pour moi, je vais le faire quand même pour vous. Voilà, passer par ici, là. Ici, après vous sautez sur le rocher qui est là. Enfin, le rocher. La plateforme qui est ici, là, de même. Attention. Parce que... Je suis en train de m'enfoncer. Là, il y a un truc à récupérer, oui, j'ai pas fait non plus. Il faudra monter ici, mais j'ai pas fait ça. Voyez. Voyons voir ce qu'il y a par là. Oui, j'ai pas récupéré ça. Un autre éclat. Là, vous pourrez pas y aller, donc ça sert à rien d'insister. Faut pas que je m'arrête. Là, on a escaladé ici. Une petite boîte à récupérer, mais juste ça. Et là, faudra faire demi-tour par ici. Et là pareil, hein, vous voyez, sauf attendre un coup, non, vous arrêtez un peu par là. Je suis toujours pas fan. Et là pareil, on peut ça directement aller là-bas. Vite en courant, nous enfoncer un peu plus rapidement. Et là, vite. On escalade et on remonte. Donc ici c'est après, on peut pas passer par là. Ensuite, il faudra aller... Ah, je suis pas allé par là, je fais ça. Si je suis allé par là, faudra retourner sur votre plateforme. Ce truc s'insinue pour monter partout. Ici. Ok. Et là, petite séquence avec ce petit animal. Ready?
Est-ce que ça va? Je t'ai déjà dit de faire attention à ce que tu scannes. Allez, grimpe. J'aurais dû te laisser dans ce nid de ratard. Donc, on poursuit notre petite séquence. Ici, on peut pas débloquer, on peut passer encore, donc faut attendre un petit peu. Donc là, on atterrit ici. Donc on va débloquer l'ascenseur. Là, on va descendre les trucs à récupérer ici. Il y a deux mecs à tuer, enfin, si vous voulez, c'est pas mieux. Je fais ça sur sa tête à lui, hein. Ça m'évite de tuer, de plusieurs trucs. Ici, il y a une petite séquence à faire, à partir vite, courir, monter sur le... Bonjour. Soit vous tuez les boss qui sont là, soit vous pouvez passer directement. La connerie, vous voyez. Faire directement ça, parce que faudra couper la liane qui est ici. C'est pas sûr. Astime, vite. Donc ça, faudra le mettre. La caisse qui est là, faudra la pousser ici pour pouvoir prendre ce mur. Débloquer ça et ce petit truc là, ces petites cordes. Ouais, après. Attaquez-le. Vous êtes insignifiant. Et là, dans le trou. Les Voglings. Obligé de tuer, hein, ça veut pas. Vous êtes très loin de Bogano. Et là, je crois que je pourrais le faire, acrobatie, hein. On saute, tout le temps. Tout le temps pour remonter. Je peux arriver ici, hop là. Là, un truc pour sauvegarder. On peut me récupérer toutes ses vies si on veut, hein. Ce que je fais moi, de son, et pas de soucis. Prendre vos points de compétence si vous en avez à prendre. Donc après. Ici, j'ai oublié. Ici, je sais pas si on peut le faire déjà parce que. Après, je pense qu'on peut le faire, mais là, je pense pas. Ici, vous voyez, si on peut le faire, là. Monter par là, mais ça me donne rien parce que c'est pour la suite, je crois. Il me semble, ouais, donc ça sert strictement à rien. Donc après, on continue, mais on va arriver. Je t'ai déjà vu, toi, non? On va interagir un peu avec lui pour lui faire plaisir. Et on arrive. Ça va, le changement de paysage? On devrait plus être très loin de chez Grise. Prêt. Ouais. Deux. Regarde-moi ça. L'avant-poste. La vue est superbe, hein? C'est ton vaisseau dans la gorge déterrée? Oui, on a eu quelques problèmes techniques. T'as dû croiser les pillards du chaos. Ils nous ont sauté dessus direct. Ah, contente que t'ailles bien. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Je cherche un vieil ami. Tu connais Grise Dritus? Oh, Grise ? Bien sûr que je le connais. Je m'occupe des écuries en ville. Mon nom, c'est Mozy. Moi, c'est Cal. Et voici BD1. Dis donc, t'es un joli petit droïde, toi. C'est bon de voir un visage amical. Pour moi aussi. La voix semble dégagée d'ici. Tu devrais pas avoir d'ennui. À moins que tu les cherches. Oh, et
Dis bonjour à Domadendra quand t'arriveras en ville. Elle voit pas les étrangers d'un bon œil. D'accord, j'en prends bonne note. Donc vous avez le choix, soit un peu d'explorer. Soit vous explorez, soit vous faites directement l'aventure. Moi pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'aventure dès le premier pas. Donc là, elle est là, elle revient ici. Bon, il y a des trucs à prendre là, elle est passée par là. Hé, hey, je m'attendais pas à te revoir aussi vite. Je pensais aller faire un tour aux écuries. Eh ben, c'est pas ici. Je m'occupe juste de Brutus, là. C'est un écho. Les écuries sont en ville, là-bas. Et si tu trouves une bête que tu veux faire sceller, passe me voir. Je vais ouvrir l'œil, Mosi. Merci. Donc là, on peut pas récupérer. Donc après, vous avez tout ça à explorer. Hein. Je vous dirais, ouais, de toute façon, c'est pas compliqué. Monter ici, monter là-bas. Donc pour l'instant, moi, ce que je veux faire, c'est directement aller là-bas. À l'aventure. Vous avez quelques quêtes à faire aussi entre temps. Je vais discuter avec tout le monde. Prenez votre temps pour y aller, faut pas être pressé. Là, vous aurez un autre point de sauvegarde. Quand vous mourrez. J'ai débloqué, histoire de bonnes compétences à faire, je vais voir si je peux les prendre. Emprisonnement forcé et énergie Shigan plus 2 force quand je touche. Donc ça, une fois que c'est fait, c'est bon. Et vous allez directement ici. Allons-y. Parlez ça là si vous voulez. Hey, j'ai une proposition pour vous. Vous voulez faire l'affaire de votre vie? Peut-être. Je vous écoute. Certains se sont aventurés dans la mine là-bas. Et on les a jamais revus. J'y suis déjà allé. J'ai tué un rancor là-bas. Mais j'ai pas trouvé de prospecteur. Donc on résume. Pas de rancor, pas de survivants, pas de compétition. Cette mine de priorité est à moi. Vous n'en aviez rien à faire de ces prospecteurs, alors. Vous vouliez juste la priorité. Je vais être honnête avec vous. Oui. Et maintenant, la mine est à moi. Faites gaffe, quand même. Qui sait s'il n'y a pas un autre rancor là-dedans? Vous vous moquez de moi, c'est ça? Hein? Donc là, moi, j'avais fait parce que j'avais tué le rancor, donc là, ça m'a fait pourquoi ça m'a fait ça, donc... Pas la peine de la refaire. Vous, vous pourrez la faire, par contre. Hein. Ça va faire du bien de revoir Grise. Ça faisait un bail. Peut-être qu'il sait où se trouvent les autres, maintenant. Serré et bloqué dans le passé. Et Mérine en errance. C'est de l'histoire ancienne. Donc il y a une séquence, en principe. Avec Kermit la grenouille. Tu pensais pouvoir nous arnaquer? C'était juste un tout petit malentendu, hein. Hey, lâchez-le. Ça. C'est hors de question. Cette chose nous a vendu une relique hors de prix. La clé qu'on cherche depuis longtemps. Sauf que, bien sûr, c'est une fausse. Je croyais que c'était la vraie, Remis. Promis. Oh. Je te crois. Mais je ne peux pas tolérer des erreurs pareilles. Prenez ça comme un avertissement. Voilà ce qui arrive quand on contrarie les pillards du chaos. Tuez-le. Ah non ! Ça suffit.
Partez. Bon, on prend s'occupe de lui, hein. Il bouge pas, je crois. Jedi. Rappelle à notre ami pourquoi son espèce est censée avoir disparu. Essaie un peu de m'avoir là-haut. Ça ne va pas le faire. Continue de te... Trop de talent pour toi. Essaie pour voir. Adieu, Jedi. La prochaine fois que tu veux te battre, viens nous trouver. Quel plaisir de voir un Jedi en pleine action après toutes ces années. Noble chevalier Jedi, si tu retiens ta main, je me retirerai en paix. Donc pour l'instant, on le laisse partir. Bon, tout ça, on n'a rien à faire, c'est obligé. On se reverra. C'est lui, Thomas. Et celui qui a tenu tête au pillard du chaos. Bon, ça suffit, Turgel. Turgel, viens par ici. Eh oui. C'est vous, Doma? Oui, c'est moi. Tu as un nom, Jedi? Moi, c'est Cal. Et voici BD1. J'apprécierais si vous pouviez garder ça secret. Ici, à la frontière, le seul moyen de survivre, c'est de se serrer les coudes. Eh bien dit! Rien ne t'obligeait à intervenir, et pourtant tu l'as fait. Oui, tu l'as fait! Turgel, tais-toi. Oui. On ne révélera pas ton secret, Cal. Ça nous est bénéfique à tous les deux. Merci. Donc ici. Ici, on va rentrer à l'intérieur, de toute façon. On va y discuter avec Grise. Et si la soif s'empare de toi, tu trouveras pas mieux que ce qu'on a. Et si c'est un blaster qui te fait courir, t'as intérêt à déguerpir. Viens au Pailoum boire un coup et repasse vite nous faire coucou. Oh, un client potentiel. Qu'est-ce que je te sers? Moi, rien. Merci. Oh, c'est bien dommage. Je cherche un vieil ami. Quatre bras, poilu, pas discret. Et relativement petit. Tu peux sortir maintenant, la voie est libre. Moi je te le dis, Monk, ces pillards du chaos vont foutre en l'air ce patelin. On n'a aucun espoir, que dalle, zéro, nada. Ça roule, BD. Attends. Oh, Cal. Cal Kestis, ramène-toi, nom d'un petit bogling. Oh, ça faisait longtemps. Tu m'as manqué, gamin. Salut. Laisse-moi te regarder. Oh, t'as une sale tronche. Content de te revoir aussi, Grise. Tu prends bien soin de lui, j'espère. Tu entretiens bien le Mantis. Disons qu'on a eu des ennuis lors de la dernière mission. Quel genre d'ennuis? Le genre impérial. Non, j'aurais dû m'en douter. Il traîne aussi autour de Kobo ces temps-ci. Le Giro du Mantis est calciné. On aura besoin de ton aide pour repartir. Mais bien sûr, tout ce que tu veux. Je t'en prie, prends-toi un tabouret. Et Monk, sers à mon ami une boisson dont t'as le secret. Un rafraîchissement. Je t'apporte un Monk sournois, tout de suite.
Sois le bienvenu au Pailun Saloon. Pailun Saloon. La meilleure cantina de ce côté de Zeltros. Ouais, ta description ne lui rendait pas justice. Et voilà, à la tienne. Avec bon qu'on l'a repris à l'ancien proprio. Parce que, eh ben, il est mort empoisonné par Blaster à coup des pillards du chaos, si tu vois ce que je veux dire. J'ai eu affaire à eux. T'es sûr que ça va, Grise? Ah ouais, ça va. Tant que j'ai pas un truc qui leur fait envie. Eh, hey, qu'est-ce qui t'est arrivé au Mantis? Oh, on était sur Coruscant. On récupérait des infos pour So Guerrera. Ça a dérapé. On n'est que deux à avoir survécu. J'ai l'impression de servir à rien. L'Empire devient de plus en plus fort. Depuis que... l'équipe s'est séparée, c'est plus pareil. Ouais, c'est vrai qu'on a passé de bons moments, hein. Toi, moi, la sorcière, Serré. T'as eu de ces nouvelles récemment? Meryn a tout le temps la bougeotte. Elle explore la galaxie et se fait de nouveaux amis. Je parlais de Serré. Non. Ça fait un bail. Et toi? Ah, grâce à ses crédits, on a relancé les affaires ici, mais on attend encore sa visite. Elle doit être occupée avec son nouveau projet. Hé, hey, Cal. Pourquoi tu te reposerais pas un peu avant qu'on répare le Mantis? La galaxie peut bien attendre quelques heures. On devra sans doute reprendre la route dès qu'on aura terminé. J'ai une chambre de libre au sous-sol que j'ai bichonnée spécialement pour toi. Tu devrais aller y jeter un œil. D'accord. Merci, Grise. Hey. Voilà. On va un peu explorer ça, la petite salle en dessous, parce qu'on va, va devoir parler encore après avec cette crise, donc... faut pas les gens qui sont ici, moi je les connais par cœur, donc bon, ça sert à rien. Ça c'est la cuisine, la cave doit être par là. Et on va faire une petite sieste. On va d'abord se restaurer un peu. Waouh. Activer le Grise point de sauvegarde. Vraiment surpassé. Voilà. Respire. Donc c'est bon. On va se reposer, on s'en fiche, voilà, et après... Grise a toujours eu la main verte. Tu sais qui parle aux plantes? On va examiner. Kobo est loin de la route commerciale la plus proche. Grise en profite pour faire de la récupération. Il y a un truc à récupérer, un costume. Et là, on va faire la sieste jusqu'à ce qu'il revienne. Hop, se reposer. Donc, on se repose un petit peu. Et on se retrouve dans 5 minutes. Hein. Pas 30 secondes. 10 secondes, 3-5 secondes. On se réveille à côté de Grise. Tu causes toujours en dormant, hein? Il y a des choses qui changeront jamais. Cinglé. Boule de poil. Ah. C'est sympa de m'accueillir. Pas de quoi? Pourquoi tu crois que j'ai gardé tes affaires pendant tout ce temps? Parce que j'espérais que tu passerais pour te reposer un peu. On sait bien ce qui se passe quand je reste trop longtemps quelque part. Alors comme ça, je peux trouver un gyro par ici? On a largement le temps pour réparer le Mantis. J'aimerais qu'on parle un peu de toi. Je vais bien. Plus vite on part, mieux ça vaut. Et ensuite, tu vas aller avec So Guerrera t'attirer des ennuis? Possible. Ouais, je compte bien continuer à me battre. C'est marrant, t'as dit exactement la même chose le jour où on est parti chacun de son côté. Oui, parce que je... Mais moi je focus en l'aventure, là. Je suis à fond sur la voiture, j'éviterai de faire tout ce qu'il y a à côté. Écoute... Là. Je ferai... Je sais que vous aviez tous vos raisons de partir. Bon, si ça m'amène à le faire. Mais baisser les bras, c'est pas une option pour moi. Il faut que je m'accroche. Et où est-ce que ça t'a mené, Cal? J'aimerais que les choses soient différentes, mais... tu perds encore des compagnons. Et puis t'as dit toi-même que l'Empire gagnait en puissance jour après jour. Il est peut-être temps pour toi d'être un peu plus qu'un simple sabre laser. Sois plus égoïste. Pose-toi, trouve un foyer. Mais quel foyer, Grise? J'en ai plus de foyer. Mon foyer, c'était l'ordre, mon maître et tous ceux qui ont disparu. À quoi servira leur sacrifice si je me contente d'abandonner et de fermer les yeux? Allez. Je sais que la chance t'a pas souri, mais vraiment, tu devrais m'écouter. La vie n'a pas non plus été tendre avec moi. Quand la partie est truquée, il faut savoir quand se coucher. Sinon, tu vas finir par perdre quelque chose que tu pourras jamais remplacer. «
Très bien. Bien, je vais te montrer un truc. C'est un tunnel de contrebande. Il était déjà là quand j'ai eu la cantina. Vas-y, jette un coup d'œil. Je garde des pièces de rechange là-dedans. Je suis sûr que tu trouveras tout ce qu'il te faut pour réparer le Mantis. Donc, il faut retrouver la pièce pour le Mantis. Merci. J'apprécie le geste. Il faudra le faire quand même. Donc, Gal, il faut que je te dise une chose. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Moi aussi. Allez, on y go alors. Et Grise, je tâcherai d'y réfléchir. Et regarde où tu mets les pieds quand tu descends. Il doit y avoir des parasites en bas. Fais attention. Donc là, on va chercher la pièce. Moi, j'ai déjà fait tout ça, donc vous voudrez faire de A à Z. Moi, j'ai déjà fait. Donc, le vieux tunnel clandestin, hein. Grise a toujours eu plus d'un tour dans son sac. Là, c'est bloqué. On va à gauche. On va récupérer tout ce qui est récupéré sur le passage, mais je vais lâcher avec tous les trucs, les choses. Un peu. Oh, aïe. On passe par ici. Des boglings. C'est eux qui ont effrayé Grise? On a foutu les bestioles. Vous n'avez rien récupéré entre les trucs là-bas. Regarde, on voit ici. Fais bien attention, Bailey. Personne n'a emprunté ces tunnels depuis un moment. Poussiéreux et abandonné. Ah, mais c'est vrai que moi je peux. Ah non, je peux pas le faire. Donc ici. Je peux pas le faire en plus. Ici, on a récupéré, voilà. Fermez. C'est ça? Fameux objet hein, qu'il faut trouver. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est vrai. BD! Allez, merci la machine. Ne jamais réfléchir avant de sauter, hein. Donc ici, plus vite on trouvera Grise, plus vite on... On devrait aller voir ça. Bon allez, on va sauvegarder. Il faut que je me concentre. Et là, il faut recommencer le parcours pour ramener tout ça. Je peux pas le faire parce que j'ai pas le truc. Je pense pas que je puisse le faire maintenant. Ça me rappelle presque le terrain d'entraînement des Jedi. Mais différent. Plus ancien. Ouais, bon, c'est un peu chiant à faire au début, hein, mais vas-y, fais vite. C'est un peu chiant, mais ça va après. Je pense que c'est sur le grand passage. Après. C'est quoi cet endroit? Là, on peut me passer ce qu'on a. Il n'y a rien à faire. Rien à faire, ça c'est pour remonter, hein. Donc n'inquiétez pas. Comme système, mais en fait, il n'y a rien à faire là. Ah, si c'était ici, je suis nul. Il y a toujours du courant ici. C'est sûr, ouais. Est-ce qu'on peut avoir de la lumière? Allez, ouais. Pas mal. Tu crois qu'on peut marcher
c'est là-dessus. C'est ça, oui. Je me rappelle. Ce petit passage qui est un peu sympa. Avec Zed. Attention, BD. Je vous présente Zed. Désolée d'en arriver là. Ma mémoire sera totalement effacée ? Non. Uniquement ce que le conseil souhaitait. Alors, je me souviendrai de vous. Je suis prête. Quel est ton nom, droïde ? Je suis ZNA4, bien sûr. Comment puis-je servir l'ordre ? Zed. Dis-moi comment traverser l'abysse de Kobo. Mes banques mémorielles ne contiennent aucune information à ce sujet. Maître Kree, vous savez que la République a ordonné une évacuation générale. En effet. C'est pourquoi j'ai une tâche importante à te confier, Zed. Prends ça. Un syntoniseur ? Quel magnifique modèle ! Oh là là ! Certain, pour activer le complexe de la forêt. Voyage par les souterrains sans t'arrêter, c'est un ordre, Zed. Je ne vais pas avec vous ? Non. Non, tu ne viens pas avec moi. La clé de Tanalore se trouve dans ce complexe. Si tu ne te presses pas, je crains qu'elle ne soit perdue à jamais. C'est la clé. Que la force soit avec toi. On dirait que ce droïde est là depuis plusieurs siècles. Vous aurez plein de petits temps toujours à trouver avec le... quand c'est avec cette clé. On devrait pouvoir la récupérer, hein, c'est sûr. Bonjour. Ou bonsoir. Quelque chose ne va pas. Tu t'appelles Zed? Oui, c'est ça. Comment as-tu? Oh, non. Je suis prise au piège. Je suis prise au piège. Ça y est, ça m'a failli. Depuis combien de temps? Moi, c'est Cal, et voici BD. On va t'aider. C'est un plaisir de vous rencontrer. Votre aide ne serait pas de refus. Allez, on va aider un petit peu vite fait, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. On va récupérer la petite boule, là. Par l'ordre, tu es un Jedi. Ou mes photorécepteurs sont-ils complètement fichus? Non, pas tant que ça, Zed. Je suis bien un Jedi. Mais tu ne portes même pas de tunique de Jedi? Je suis plutôt branché, Pancho. Utilise les orbes pour activer le pont. Ensuite, tu pourras atteindre les commandes de la grue. Enfin, je crois, après tellement d'années d'inactivité, qui sait ce qui peut arriver? Je crois que ce droïde a pété un boulon. Je te demande pardon? Je disais... Tiens bon, Zed. Alors, après. Hop, hop, hop. Je suis là maintenant. Pourquoi je fais... Eh oui, d'accord, il me faudra le deuxième. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je suis con, mais j'ai oublié de prendre le temps. Les deux, c'est vrai. Il me faut les deux. Ce que je veux voir, c'est...
J'ai vu qu'il y avait... Bientôt libre, Zed. Prends ton temps, cela fait seulement là. Un moment que je suis coincée ici. Ton nom ne figure pas dans mes banques de données. Vous débloquez, restez un coffre ici. Je les ai jamais passés. J'ai été nommé chevalier sur le terrain. Et quelle fut la raison de cette violation flagrante du protocole? C'est une longue histoire. On va devoir l'aider là. Et après. Ah oui, c'est ça que je tourne. Hop là. Je suis bête, j'ai commencé à taper. C'est pas ici. Mettre ça dedans pour pouvoir libérer. Épreuve ou pas, tu as réussi. Bientôt, je voudrais te remercier face à face. Merci. Donc voilà, on récupère. De rien. On sauve. Si tu veux bien m'excuser, je n'ai que temps. Trop tardé. Oh, oh. Bah maintenant, tiens encore un peu. Je peux jeter un œil? Alors, Zed, c'est quoi, Tanalor? Une planète cachée au cœur de la bise de Kobo. Elle abrite un temple Jedi. Je sais pas si je pourrais faire une partie toute la Kobo. Un bastion de la lumière de l'ordre à la frontière de la galaxie. Les frontes de partie. Du moins, c'est ce que mon maître espérait comme avenir pour Tanalor. J'essaie de faire une heure et demie. Ça devrait tenir le coup. Il faut juste trouver un moyen de sortir. Eh bien, je peux peut-être aider. Est-ce par ici ou par là? Non. Oh, oui, c'est par là. Suis-moi. Oh, je vois où nous en sommes à présent. Une salle de méditation. Maître Kree les a conçus pour entraîner les Jedi. Je me souviens de ça, mais je ne me rappelle pas à quoi cela sert. Ici, Maître Kree était un esprit brillant. Tu le connais, Cal? Pas vraiment. Peu importe, mais je pense qu'elle t'aurait apprécié. J'apprécie ton initiative, Cal. Dépêchons-nous de nous rendre au complexe de la forêt. J'ai beaucoup de chance, tu es arrivé au bon moment. Oui, t'aurais vraiment pu rester ici pour toujours. Zed, cette planète dont tu parlais... C'est quoi, c'est ressemble à quoi? Tanalor? Oh, quel endroit merveilleux! Comment j'y accède? En traversant l'abysse de Kobo. Ton maître a dû effacer ces informations de tes banques de mémoire. Eh bien, elle devait avoir ses raisons. Voilà, on arrive ici. C'est la voix qui nique tout encore, là. Rien de tout ça n'était ici la dernière fois que je me suis trouvée là. Oh, et le ciel était rempli de météores. Oh, j'ai dormi pendant un long moment, c'est ça? Oui. Mais ne t'en fais pas. Tu n'es pas seule. On va te remettre sur pied. Tu ne portes pas la bonne tenue, mais... Je suis désormais certaine que tu es un Jedi. Allez, viens. Je
te rejoins dans un instant, Cal. Ce n'est pas la peine de m'attendre. Oh, quelles étranges constructions! Oh, tiens, qu'est-ce donc? Je suis pas un espion des pillards du chaos. Je suis un ami de Cal Kestis. Quel qui ça? Écoute, mon vieux, je t'ai déjà dit que tu te trompais de cantina. Moi, je connais personne du nom de Cal Kestis. Hé, hey, Grise. Non, ce Cal Kestis. J'ai mon Giro. Ça a l'air d'aller. Content de te voir. Grise Dritus, voici Bodakuna. Il était sur Coruscant. Sans lui, je m'en serais pas sorti vivant. Ah, je vois. Ravi de te rencontrer. Malheureusement, j'ai plus le moindre lit disponible. Non, mais attends. Un autre encore? Oh, Cal, t'as la sale habitude de récupérer tous les droïdes qui traînent. Je suis ZNA4, au service de l'Ordre Jedi. Oh. Personne lui a annoncé la nouvelle. Elle était piégée sous terre. J'ai jamais vu un modèle de ce genre. On dirait presque une antiquité. C'est une antiquité, on dirait. Et t'as pas trouvé quelque chose qui vaut beaucoup de crédits? Des crédits? Bon. Cal, tu m'as sauvé. Cependant, j'ai encore besoin d'aide. Et c'est reparti. Maître Santari m'a ordonné d'ouvrir le complexe de la forêt. Mais dans mon état, je ne peux pas accomplir ce devoir. Je t'en prie. Si j'échoue dans ma mission, la clé de Tanalore sera perdue à jamais. Une seconde. Tu viens de dire... Tanalore? Tu connais? Oui, c'est une vieille légende de prospecteur à propos d'un monde perdu, rempli de trésors. Et en croire ce droïde, ce serait pas qu'un mythe. On peut y jeter un œil. Oui, mais d'abord, je dois réparer le mantis avant que les pillards s'en emparent. Laisse-moi t'escorter, je surveillerai tes arrières. Non, oh, il est aussi dur à cuire qu'il en a l'air. Après Serré, c'est le meilleur tireur que je connaisse. Ça marche. On va s'occuper du mantis. Je pars en repérage dans la forêt. Merci, Cal. Dès que je serai opérationnel, je te rejoindrai au complexe de la forêt. En avant. Zed? Hola, du calme, l'antiquité. Tu devrais les laisser s'en charger et y aller mollo sur tes pistons. Viens avec moi. Je vais te rafistoler, te faire briller et te faire le point sur l'actualité de la galaxie. Hé, hey Cal, je vais fermer le saloon pour que les pillards le saccagent pas. Tu passeras par derrière, ok? Donc. Activer les technologies à l'époque de Tristan pour trouver une nouvelle zone, ok. Donc là, on va sortir et on va faire. On est ici. Mais l'aventure nous va nous mener. Au mantis. Ouvre la porte de la forêt. Je sais pas si je fais ça maintenant ou je fais après. Donc si je suis l'aventure, faut que j'aille ici. Je reste bien à faire un peu ou pas. Un peu vous montrer un peu ce qu'il y a dans les alentours. Il y a plein de choses à récupérer. Alors si je fais que l'aventure, il faut que j'aille de l'autre côté. C'est le portail dont nous parlait Zed. Donc on va aller au portail ici, on va dire. Attends, on va parler de celle-là déjà pour essayer de récupérer les gourous. Il est de retour. Contente que tu sois venu sur Kobo, Cal. Tu rechignes pas à la tâche, hein? Et tu fais toujours passer les autres avant toi. Comment tu sais ça? Les traces de terre sur ton pantalon, l'odeur de l'adrénaline, tes yeux guettent le danger, à l'affût. J'appelle ça l'œil du chasseur. Pour piéger une bête, le chasseur compte sur sa capacité à observer. Mais pour info, ton attitude amicale me trompe pas une seule seconde. Vraiment? Oh que oui. T'es né pour la chasse et tu le sais très bien. Tu sais qu'il y a un Goroko qui rôde dans la gorge déterrée? Je suis tombé dessus. Je m'en suis occupé. Une sale bête. Il me rappelle une créature qu'on chassait sur Farana avec ma sœur. Rapide, coriace, elle détruisait tout sur son passage. Ça a l'air dangereux. Ouais, ça a éveillé quelque chose en moi. J'ai repoussé mes limites autant que je le pouvais. Je suppose que t'as ressenti ça aussi.
Qui t'a appris à chasser, Mozy? J'ai grandi dans une famille nombreuse. On était tous en compétition les uns avec les autres. Pour recevoir de l'attention. De la nourriture, parfois. Je devais être la plus forte pour me démarquer. Ça a pas dû être facile. Ah, maman était plus dure avec moi. Toujours à me faire remarquer mes erreurs, à critiquer mes techniques. Au moins, ça t'a permis de t'endurcir. Peut-être. Mais j'ai fini par en avoir marre. C'est sûrement pour ça que je me suis sauvée ici. J'ai à peine connu mes parents. Ouais. Ben, c'est pas toujours une mauvaise chose, tu sais. Comment des Boglings se sont retrouvés sur Kobo? Tu peux remercier Grease pour ça. Il les a amenés ici par accident, à ce qui paraît. Les pillards les tuent à l'appel. Je les ai vus. Pourquoi vouloir tuer un Bogling? Précisément. Ça se mange pas, ça se dépèse pas, on peut même pas commercer avec. Un des chefs des pillards du chaos les tuait pour s'amuser. Et tu sais où on peut le trouver? T'inquiète, je m'en suis déjà occupée. Très bien. Salutations. Voilà. T'en fais pas, je te ferai rien. Donc, maintenant, si on peut, il faudrait aller débloquer cette porte-là, mais c'est comment déjà? On peut pas monter pour l'instant. Il faut passer par l'autre côté, là-bas. Là, je peux pas, je crois. Pas encore. Là, faut le tuer pour récupérer chaque fois des... Hey, regarde ça. Des éclats, des trucs comme ça. Ah, il est encore là. On va essayer de prendre par surprise. Allez! Ah putain, il m'a fait tuer les bestioles et pas lui. Shit. Ça m'a pris un peu la tête là. Et voilà, putain! J'ai pas pris la réparation. Oh non, faut qu'il va mettre où là? C'est lequel d'ailleurs que j'ai fait? Ah, au milieu là. Donc on s'en fiche. Bon. Faut être trop, très, très discret quand même, sinon on se fait bien avoir. Donc on va directement aller là-bas parce que ça sert à rien de se combattre avec ces merdes. Vous pouvez le faire parce que vous n'avez pas fait, moi c'est déjà fait, donc ça me sert à rien. On va aller direct à l'aventure pour rechercher. Je vais passer par là je crois sinon. Ici. Ici vous aurez quelques gardes. Tactique non conventionnelle. Paramètre de dégâts subis acceptable. Il a détruit nos unités lourdes. Ok, donc vous occupez tout ce qu'il y a dans la grotte, parce que j'ai déjà fait, ça sert à rien. Parce qu'il faut que je les en apporte là. Donc là il y aura des trucs à récupérer pour vous là-dedans ici en haut là, faites le tour et vous arrivez ici. Il faut que vous récupérez pour venir ici. Donc là c'est déjà. Ah oui c'est quoi ce côté là-bas. Il faut pas passer pas, c'est pas ce côté. Donc vous passez par là, vous rentrez là, tata tita conti, donc pas. Après, il y a celui-là à tuer. Moi je vais pas tuer, parce que ça sert à rien. Je sais pas si je vais tuer encore une fois. Je sais pas si ça va me servir à quelque chose. Thank you.
regarde bien ce con. Il voit bien ce qu'il fait. Vous avez des trucs à récupérer là-bas. Je sais pas, j'ai des trucs encore à faire. Moi, je crois pas que j'ai tout à faire. J'ai tout récupéré, voilà, c'est bon. Donc, j'ai tout récupéré, moi, donc ça sert à rien. Là. Ici, on passe par là. Pourquoi RB, RB? Si on tombe, on sera pas chier. Donc ici, on arrive là, on escalade ça. Ici, vous avez un truc à récupérer, donc vous pouvez sauter bien directement par ici. Moi, j'ai déjà tout récupéré. Là, c'est pareil. Ici. On va par ici. On va accéder à la porte. Hop là. Il y a un vaisseau qui décolle. Pourquoi ? On va pas le temps de le voir. Oh, ça me plaît. Elle a pas rentré là-dedans. Ah, il me fait chier. Les Russes. On va vous tuer. Je suis plus en combat. Allez. Ton sang, ma liberté. Je suis pas en combat là. Hein. Je vais le traquer. Elle vient me traquer, mais. Allez, c'est bon. Comme ouvrir la porte déjà. Donc porte ouverte. Non c'est mais je veux pas rentrer hein. Non non non, ne fais pas rentrer. Je vais ouvrir la porte. Attends, je vais ouvrir la porte pour l'instant. Donc là il va me débloquer le petit raccourci. Moi en tout cas ce que je vais faire, c'est que je vais. Ce que je voulais faire, c'est pas ça, c'était débloquer cette. Voilà. Comme ça, récupérer. Donc, je peux pas y aller pour l'instant, il faut que je fasse tout le truc, d'accord. Donc, une fois que débloqué ça, soit vous faites une sauvegarde là-bas. Comme je fais. Oui, si vous avez combattu là-bas. Et après, on peut remonter. Voilà. On sait qu'ils sont revenus là. Mais... Ah, je me suis dit que je suis bête. Non, comment on entend, on entend. Le complexe doit se trouver dans le coin. Le seul moyen d'avancer, c'est de couper à travers. BD, toi aussi t'as vu ça? On n'est pas seul ici. Allez. On dirait que c'est bloqué. Là, accroche-toi BD, je vais voir bloqué. Ce que je peux faire. Casser les piliers. Ça sert à rien, BD.
Donc une fois qu'ils sont ici, on va récupérer les graines. Je me demande où je pourrais les planter. Ok, on revient en arrière, hein. On va passer par là. On revient en arrière. Ah, mais je suis con. Je suis bête. J'ai pas poussé. Excusez-moi. La voie est libre, BD. On peut réessayer maintenant. Voilà. Faut que j'en ai bloqué ça. On peut monter. Là, on peut pas monter, hein, parce que là, c'est... C'est cul-de-sac. Non, c'est pas cul-de-sac, j'ai dit que bêtise. Ah, c'est ça, voilà. C'est ça. Pour les murs, sur les murs. Hop, hop. Voilà, contre une paroi, et on arrive ici. A ton avis, BD, c'est quoi ce complexe? Santar écrit disait c'est qu'il renfermait la complexe. Clé de Tanalor. Z semble penser la même je chose. M'arrêterai. Il n'y a qu'une manière de le savoir. Ça va être trop longue vidéo, sinon ça sert à rien. L'Empire. Je ne pense pas qu'il nous ait vu. Par là. Avançons. Il n'y a rien de tout ça pour l'instant. On va y aller. C'est un peu trop haut, donc on n'y va pas ici. C'est bien. Je peux tout sur votre passage. Hein. Ça va être un peu long le truc jusque là-bas, mais c'est pas grave. Ici, il faut sauvegarder, ça va. Ensuite. Faut activer les trucs, hein, sinon bon, vous repartez de l'autre côté, on prend encore si vous perdez. C'est un peu chiant. Faut avancer par là en premier. Oui, j'ai mal foutu mon truc là. En plus, c'est par là qu'on passe. C'est pas ici qu'il faut. Non, même pas. Non, j'ai fait d'ailleurs. Ah oui. Attendez, je sais pas, en avant et attaquer. On va voir si je peux faire quelque chose. Ah non, c'est d'abord là-bas. Je suis là. Il est tout seul. Donc c'est bon. Donc c'est par la suite qu'on revient ici, je crois, il me semble. Ouais. Il faut débloquer ce passage avant, putain, c'est vrai. Hop là, on monte. On passe par là. On va descendre par ici, ici, ici. On va les prendre par surprise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les tuer, c'est... On a atteint la position ennemie. Je peux pas voir ça. Et là, son bouclier, il meurt. Donc après là, il récupère tout ce qu'il a récupéré. Hein. Après, voilà. Donc allez on le tue lui. Ici après. Il n'y a rien à récupérer je crois ici. Ouais c'était bon. On continue notre chemin. Hop. Récupérer tout ce qu'il y a récupéré. Hein. Impossible. Vous croyez qu'il a peur de moi? Voilà, dégage.
pourquoi il est parti là, là. Xi, on va le raccourcir. Tu vas en combat là, il est mort le mec. Ah non, il est pas mort. Il a même pas fait gaffe qu'il était pas mort. Ah, il est chiant ce chien à gueuler comme ça, là. Alors après ici. Ouais, c'est d'accord. BD. C'est à ton téléphone. J'aime pas ça quand tu me fous ta pétard schnock là. Changement de tactique. Continuez à faire pression sur la tube. Arrête de courir. Ah putain, ça me saoule. Bien calibré, un blaster peut transpercer net une armure mandalorienne. Ça t'annonce mal. Les arrête de bouger, pas moi. Tenez vos positions. C'est bon, il y a quoi à faire, il n'y a rien à faire, je crois. C'est les trucs ici, là, je pense qu'il y a récupéré, vous voyez bien ce que... Vous voyez bien, c'est les trucs à récupérer ici, on va récupérer. Là, on va remonter. Là, il fait gaffe que vous revient. Donc là, après... s'accrocher ici. Même avant d'être endommagé, Zed n'aurait jamais pu venir jusqu'ici. Bien sûr, à l'époque de Kree, il n'y avait pas à se soucier de l'Empire. Qu'est-ce que je donnerais pour voir la galaxie à cette époque? C'est pas fini encore. Donc là, on retrouve une exploratrice. Recule, je cherche pas les ennuis. On va discuter. Elle est le meilleur endroit pour boire un verre dans la vallée. Il paraît qu'il n'y a pas mieux que le Pailoun Saloon. J'avais peur que tu dises ça. Un jour, quelqu'un ouvrira une autre cantina. Deux secondes avec elle, hein. Je vais passer tous les discours. Oh, le car... Je sais pas, il faut tout le temps les caresser si ça vaut le coup. Je sais pas. Donc moi je caresse tout le temps, ça ne coûte rien. Donc après, on va discuter avec elle. Je sais pas ce qu'elle m'a dit, je m'appelle même pas, je n'ai même pas fait gaffe. Donc ici. C'est un peu...
veut dire que c'est pas possible. Donc ça c'est fait. On revient là-bas. On s'y remet. On continue notre chemin. Je sais pas si je continue de tourner ça, c'est bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter à la fin. Je vais le faire deux fois, je crois. C'est parti. Je dois vider mon esprit. Donc je vous dis. Kubo partie 1, c'est aventure. Kubo 1. Jusqu'à la porte. Bon, je vais avancer encore un peu. Je ne sais pas ce que je fais. J'ai pas envie de faire trop grosses vidéos, donc je vous dis. Tout à l'heure pour la suite de cette aventure. Donc là ça sera par Kubo partie 1. Donc je vous dis merci YouTube, merci Twitch. Laissez un petit pouce, laissez un petit commentaire, un petit abonnement, c'est toujours plaisir. Allez merci, ciao ciao, à plus tard.